Les gars, je vous dis un secret. Souvent, ça ne nous fait rien. Ça ne nous fait rien. On crie souvent. On fait oh, bébé, c'est bon, c'est sucré. Alors que on ne ressent rien. On fait ça pour que. C'est une façon de dire que papa libère vite. Pardon, tu peux. Et vous aimez durer. Pourquoi vous faites ça? Oh. Hein? C'est toi qui ne connais rien. Fait là. Le niaménième est petit. C'est déjà. Tu dures. Ouais, papa. Libère-nous. C'est pour ça qu'on crie. Oh, c'est bon, c'est bon. Il n'y a rien de bon, c'est ça. Et vous aimez vous prendre la tête, c'est la partie là qui n'est pas bien. Oh, ne vous prenez plus la tête. On fait ça juste pour pas vous frustrer, les gars. Abonnez-vous à la chaîne et likez la vidéo pour ne plus rien rater des actualités. La TikTokeuse Madame Cooper est décédée, la thèse d'empoisonnement évoquée. Madame Cooper, la célèbre TikTokeuse camerounaise, est décédée dans la nuit du samedi 4 mars 2023 à l'hôpital général de Douala. Mauvaise nouvelle pour les fans de Madame Cooper. La célèbre TikTokeuse est décédée samedi dernier. Cette triste nouvelle a rapidement circulé sur les réseaux sociaux, provoquant une onde de choc parmi les internautes. L'acteur camerounais Pifo a confirmé le décès de la jeune femme, qui était également une militante engagée. Consternation, une famille en pleurs et inconsolable, c'est confirmé et c'est vérifié, nous sommes actuellement aux urgences de l'hôpital général de Douala, c'est triste mais c'est vrai, on n'aura plus jamais droit au fou rire de Stéphanie. Un SOS aux hommes en tenue pour calmer la foule, ici a-t-il écrit sur sa page Facebook. La famille de Madame Cooper est désemparée par la triste nouvelle. Selon Pifo, la cause de la mort de la TikTokeuse serait un empoisonnement, mais d'autres sources évoquent un cancer du cerveau. La mère de la défunte est actuellement dans un état critique après avoir perdu connaissance en apprenant la triste nouvelle. Cette disparition soudaine et tragique laisse un vide immense dans la communauté des réseaux sociaux et de l'activisme. Madame Cooper manquera à ses fans, qui ne pourront plus jamais profiter de ses vidéos drôles et engagées. La dernière vidéo de Madame Cooper. Dans la toute dernière vidéo de l'artiste, elle a fait la publicité de Waspito, une application qui permet aux malades de se faire consulter depuis leur domicile. L'application propose des services comme des analyses sanguines, des tests de grossesse, etc. Dans sa démonstration, Madame Cooper a ironisé en affirmant qu'elle préfère commander un test de grossesse, parce qu'elle ne se sentait pas bien. Nous vous rappelons que la jeune Stéphanie, plus connue sous le nom de Madame Cooper officielle sur les réseaux sociaux, était une chanteuse et influenceuse camerounaise, qui vivait de la musique et des comédies web. Elle souffrait et se battait contre cette maladie rare depuis plusieurs jours à l'hôpital général de Douala. Stéphanie était présente sur les réseaux sociaux depuis pas mal d'années, et dans ses débuts, elle proposait des contenus plutôt différents. Elle laisse un enfant et un conjoint. Chers lecteurs, dites-nous pourquoi ce fléau d'empoisonnement est devenu courant dans nos régions ces dernières années. Cela est dû à quoi? De la haine ou de la joie? Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille. Merci d'être abonné à la chaîne et n'hésitez pas à liker la vidéo. Ouais, mon frère, est-ce qu'une fille a encore besoin de te dire qu'elle n'est pas intéressée par toi? Hein? Est-ce qu'elle doit ouvrir sa bouche pour te dire que papa, comme tu vois là, c'est pas bon? Oh, on essaie de gagner en temps. Hein? Gagne en temps, mon ami, il y a les petits signes qui ne manquent pas. Tu appelles 1, 2, 3, 4, 5 fois, elle voit les appels, ne décroche pas. Et elle ne te rappelle pas. Tu veux seulement que tu expliques ça en quelle langue? Hein? Oh, on doit t'expliquer ça en quelle langue, mon frère? Dis-moi toi-même. Tu laisses les messages, elle voit les messages, ça te signale qu'elle a vu les messages, qu'elle les a lus. Elle ne t'a pas répondu, tu veux quoi? Et quand alors tu appelles, maman, les réponses fades de ça. Allô, bonjour bébé, comment tu vas? Ça va. Tu fais quoi? Rien. J'ai envie de te voir. Je ne sais pas. Donc, c'est-à-dire que elle ne manifeste aucune volonté, en fait. Et toi, tu es toujours là, tu poudres. Et mon ami, quand c'est comme ça, tu choisis ta place. Tu barres de là, tu bouges et tu vas chercher ta vie ailleurs. Qu'est-ce qui se passe là? Hein? Les gars, apprenez à donner l'argent à vos goûts. Vous comprenez? Apprenez à donner le cash, que le fafio, le cap même, à vos goûts. Je vous explique pourquoi. Même si votre copine, votre femme travaille, vous comprenez? Il y a un goût là. Dans votre argent, vous les hommes, on ne peut pas vous expliquer. C'est seulement nous les femmes qui connaissons ça. Votre argent, quand ça entre dans nos mains, ça a un goût là. Donc je sais que c'est.
On peut expliquer ça. C'est seulement les femmes qui peuvent vous connaître. Vous, les hommes, vous ne pouvez pas comprendre. D'accord? Donnez l'argent à vos femmes. C'est-à-dire, même si elles travaillent, même si elles ont plus de revenus que vous, c'est le geste qui compte. On ne demande pas de donner des millions, on ne demande pas de donner des milliards. Je dis bien que c'est le geste qui compte. Cet argent va lui permettre de se faire belle. D'accord? Vous, je les aimez quand elles sont bien jolies, bien coiffées, bien manucurées, bien pédicurées. Il y a d'autres qui passent même les commandes des coiffures, mais ils ne veulent pas donner l'argent. Donnez l'argent, elles vont se faire belles pour vous. D'accord? Il faut qu'elle entretienne sa peau. C'est pas qu'elle peut prendre son salaire, son argent. Non. Voilà les choses que nous, les femmes, on aime faire avec l'argent de nos gars, avec l'argent de nos maris. Donnez l'argent à vos goûts. N'attendez pas qu'elle demande. Quand tu la vois comme ça, un peu fade, comme ça, tu vois que son visage est un peu fade, genre là. De manière spontanée, tu dis, bébé, tiens, voilà ça, va en institut, fais-toi des soins. Quand tu vois que ses ongles sont déjà là, hein, que sa coiffure n'est plus très propre, n'attends pas qu'elle vienne te dire que bébé, voilà, je vais aller me coiffer. Tu ne connais pas son programme, peut-être qu'elle a même prévu d'y aller pour faire ses soins avec son propre argent. Mais si tu lui donnes l'argent, je ne te mens pas, ça a un goût là. D'accord? Il y a des femmes aussi qui ne savent pas demander l'argent, c'est-à-dire qu'elle va rester comme ça. Elle va tourner, elle ne saura pas te dire, ok, d'accord, j'ai besoin de tant. Tu dois réfléchir, vote un budget dans ton salaire, mon frère, mensuel. Que ok, d'accord, ça représente les besoins de ma femme sans qu'elle ait à te demander. Je précise encore bien parce qu'il y a les radins qui vont venir ici dire que non, et nous, à nous, ils nous donnent quoi, machin et tout. À nous, les femmes donnent quoi, nanani nanana. À nous, maman, les femmes n'ont pas, ne sont pas attentionnées, manani nanani nana chouette. Les radins vont venir dire ici que non, elle travaille, elle peut s'entretenir elle-même. Je ne suis pas son père, je ne suis pas nanani nanana. Arrêtez ça. Si vous n'êtes pas prêt à dépenser pour une femme, vous restez seule. Bye.